Un magicien prédit que le collier d'une dame tombera dans un verre en 3 secondes. Le public a dit que c'était trop faux. Les personnes qui regardent son spectacle savent que certains tours de magie sont tout simplement impossibles à réaliser. À moins qu'il n'ait de la magie. Le personnage principal, Jacques, a la capacité de voir tout ce qui se passera dans les 2 prochaines minutes. Lorsqu'il n'a plus d'argent, il se rend au casino. Il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour décrocher le jackpot. Il ne joue jamais trop gros, car il attire souvent l'attention sur lui. Lorsqu'il se présente à la caisse pour changer de l'argent, il voit apparaître à côté de lui un homme qui va commettre un crime. Il blessera également 2 personnes innocentes. Il se précipite immédiatement sur l'homme, lui saute dessus et lui prend son arme. L'agent de sécurité qui arrivait l'a vu et l'a pris pour un voleur. Il a fait demi-tour et s'est mis à courir. Les agents de sécurité sont sortis en force pour l'arrêter. Jacques recommence à faire de la magie. Il s'approche d'une machine de jeu aléatoire et évite un agent de sécurité. Il se penche pour réparer la jambe de son pantalon et en évite un autre. Il s'arrête pour regarder sa montre, au moment où les passants se déplacent en même temps que lui. L'homme dans la salle de surveillance est inquiet. Jacques passe entre quelques gardes et arrive aux toilettes. Il enlève immédiatement sa veste et prend le chapeau du passant. Il sort et regarde le distributeur automatique, en évitant 2 autres gardes. Il sort par la porte et monte dans une limousine. Après avoir réussi à échapper à la poursuite, Jacques est chez lui en train de jouer au billard. Il prévoit soudain que la police sera à sa porte dans 2 minutes. La police lui annonce qu'un groupe terroriste a volé une bombe nucléaire et veut qu'il anticipe son emplacement. Jacques ne fait pas confiance à la femme qui se trouve en face de lui. On lui a découvert des super-pouvoirs lorsqu'il était enfant et il a bénéficié d'un traitement spécial. Il revoit la police l'entourer. Lorsqu'il revient à la réalité, il s'enfuit immédiatement. Jacques a également un secret. Il a eu la prémonition de la femme qu'il devait rencontrer. La femme le rencontrera dans le futur dans un café. Jacques ne l'avait jamais vue jusqu'à présent. Jacques trouve étonnant qu'il soit tombé amoureux d'elle avant même de l'avoir rencontrée. Ce jour-là, il est arrivé tôt au café pour attendre sa rencontre. Un homme voit apparaître une belle femme et s'approche immédiatement d'elle. La première consiste à s'approcher directement pour dire bonjour et à se faire rejeter. La seconde est de trouver un prétexte pour engager la conversation. Les grains de café du magasin ont un goût bizarre. Vous savez ce qui ne va pas ? La fille est un peu déconcertée et dit que vous devriez demander au serveur ce qu'il en est. Il échoue à nouveau. Troisième échec. Il vient demander du feu. La femme répond, « Je ne fume pas ». Alors que les gens normaux essaient encore de comprendre comment entamer une conversation, Jacques avait déjà vu la fin de tous ses problèmes. Jacques avait déjà vu la fin de toutes les façons de demander. Quand il ne sait plus quoi faire, un homme entre. Il s'avère que c'est l'ex-petite amie de la femme qui essaie de la harceler. Jacques a vu l'ex-petite amie et a su qu'il tenait sa chance. Il est allé directement aider la femme. L'homme essaie de lui donner un coup de poing, mais il a beau frapper, il l'esquive. Jacques se présente donc et maîtrise l'ex-petite amie en même temps. Il a vu qu'elle n'était pas contente de faire cela. Il a alors renoncé à cette approche. Il a recommencé. Cette fois, il n'a pas esquivé. Voyant que Jacques était à terre, la jolie fille s'est précipitée et a chassé l'ex-petite amie. Elle s'est tout de suite préoccupée des blessures de Jacques. Cela a fonctionné. Jacques reprend un visage pathétique. Il dit qu'on lui a volé sa voiture et qu'il veut aller quelque part mais qu'il ne peut pas. C'est exactement l'endroit où la belle femme veut aller. Elle invite alors l'homme à monter dans sa voiture. Dans la voiture, Jacques utilise son pouvoir pour parler à la belle. Il s'est assuré que tout ce qu'il disait était quelque chose qu'elle aimerait entendre. Elle est très heureuse. Jacques arrive avec elle à la tribu indienne. Elle est l'institutrice de la tribu. Jacques fait des tours de magie pour les enfants et les rend très heureux. La belle femme s'est également prise d'affection pour lui. La nuit, à cause du blocage de la route, ils ont dû aller à l'hôtel pour passer la nuit. Mais il n'y avait qu'un seul lit. Jacques a tout de suite dit qu'il dormirait dans la voiture. Lorsqu'elle a entendu cela, elle a été encore plus attirée par lui. Elle a commencé à lui jeter un coup d'œil de temps en temps. Le lendemain, Jacques entre dans la chambre et rencontre la belle femme qui vient de terminer sa douche. Il lui fait à nouveau les bons compliments. Il fait un tour de magie. Une rose apparaît dans sa main. C'était incroyable. Elle est tout de suite convaincue par lui. Jacques prédit une crise. Sa petite amie est sous l'emprise de la police et est prête à lui faire du mal. Elle dit la vérité à Jacques, car l'amour l'emporte sur la raison. Lorsque Jacques l'a appris, il lui a également parlé de sa capacité à voir l'avenir. Il dit quelque chose au hasard, prend la télécommande et coupe la chaîne. La ligne est apparue à la télévision. La belle femme l'a cru. Ensemble, ils discutent de leur plan d'évasion. Il allait la laisser partir seule. La silhouette de l'homme apparaît dans le viseur. Le sniper s'apprête à tirer. Il s'est arrêté brusquement, évitant la trajectoire de la balle. Une voiture roule à nouveau. Il a plongé pour l'éviter à la dernière seconde. Tous les objets lourds qui dévalent la falaise semblent l'éviter. Jacques, le personnage principal, a la capacité de voir l'avenir. Son itinéraire de fuite est également le résultat d'une connaissance anticipée. Lorsqu'il arrive au pied de la montagne, il trouve l'agent féminin qui l'attend. D'innombrables troncs d'arbres dévalent la montagne. Elle est sur le point d'être touchée. Jacques saute pour la protéger, mais il est lui-même assommé par les troncs d'arbres. La police arrive et les sauve. Sa petite amie est alors prise en otage par les malfaiteurs. Jacques se réveille et découvre que ses yeux ont été forcés de s'ouvrir. L'agent allume la télévision. La télévision diffuse des informations sur une bombe nucléaire. Elle demande à Jacques de prédire l'emplacement de la bombe. Jacques regarde fixement la télévision. Après avoir rencontré l'amour de sa vie, sa précognition a largement dépassé la limite des 2 minutes. Il voit sa petite amie attachée à une bombe par des terroristes. Puis il y a eu une explosion. Jacques n'a rien dit à l'agent lorsque sa prophétie s'est achevée. Elle devait d'abord mettre Jacques en prison. Jacques a trouvé l'occasion de s'échapper en attaquant les soldats. Il a prévu les mouvements de l'autre camp et les ennemis qui apparaissaient au hasard sur la route.
Il s'est facilement échappé de la base et a couru jusqu'à l'endroit où l'avenir de sa petite amie s'est déroulé. L'agent l'a suivi et l'a trouvé, lui proposant de coopérer et lui promettant de sauver sa petite amie. Jack a finalement accepté. Il utilise ses pouvoirs pour localiser le sniper. La police apparaît soudain derrière lui. Jack a aidé la police à anticiper l'emplacement des bandits. La police a trouvé les bandits avant qu'ils ne partent. Une bataille policière s'est engagée. Jack a utilisé son super pouvoir pour enfermer le tireur directement à l'intérieur de la porte de la grange. Il a dit aux policiers de tirer à l'intérieur, et l'un d'entre eux est tombé. La police s'est immédiatement occupée des voleurs à l'extérieur. Ils sont arrivés à la tanière de l'entrepôt. Le terrain était trop compliqué. Jack ne pouvait pas prévoir l'emplacement de tous les gangsters en même temps. Il active une nouvelle capacité. Il utilise sa technique de double pour fouiller les environs et trouve les derniers ennemis. Il a pris sa petite amie en otage et n'a pas voulu se rendre. Jack dit : « J'ai vu toutes les fins ici. Aucune n'est bonne pour toi. » Le gangster tente sa chance. Jack s'approche du voyou. Plusieurs d'entre eux sont tombés devant lui au milieu des coups de feu. Au bout d'un moment, les méchants se sont retrouvés à court de balles et ont été pris en charge par l'agent féminin. Jack sauve sa petite amie. La police découvre que la bombe nucléaire a été déplacée. L'agent féminin demande à Jack de l'aider à prédire l'emplacement de la bombe. Jack dit que quelque chose ne va pas et qu'il a fait une erreur. Avant que l'agent féminin ne puisse terminer sa question, la bombe explose à une courte distance. La scène change. Jack est de retour à l'hôtel où il se trouvait il y a un jour. Il est encore sous le choc alors qu'il tient sa petite amie dans ses bras. Après s'être réconcilié avec sa petite amie, il avait une plus grande capacité à voir l'avenir. Mais il a fait un mauvais choix qui a entraîné un changement dans le résultat final. Jack ne pouvait plus rester les bras croisés. Il a tendu la main à la police et a accepté de collaborer avec elle. Il dit au revoir à sa petite amie et part avec un agent féminin à la recherche de la bombe nucléaire. Voici la fin du film. Si vous aviez ce pouvoir, que feriez-vous ?